Autre question importante à présent, en ces temps de crise sanitaire, quelle qualité de service public les Français sont-ils en droit d'attendre? La Poste a été très critiquée ces dernières semaines pour avoir fermé 80% de ses bureaux. Aujourd'hui, seulement 25% d'entre eux sont ouverts. Une situation intenable pour de nombreuses communes, notamment en zone rurale. Illustration à Melay, en Saône-et-Loire, Christophe Buzine, David Paturel et Pierre Galassio. Un maire en colère. Depuis le début du confinement, l'agence postale de son village est fermée. Un vrai handicap en milieu rural. Ça met en grande difficulté des personnes vulnérables, qui sont des personnes âgées, qui sont des personnes isolées. C'est le cas de Solange et Pierre, un couple de retraités qui habitent un hameau de la commune. Impossible pour eux de retirer l'argent de leur livret A. Vous n'avez pas de carte bancaire? Pas de chéquier non plus? On ne peut plus faire de retrait. Donc on n'a plus d'argent, ne serait-ce que pour aller à la pharmacie, au docteur, etc. Et la nourriture. Monsieur le maire a décidé de se battre, car la situation devient intenable pour certains, d'autant que le grand bureau de poste de Marcigny, situé à quelques kilomètres de sa commune, a lui aussi fermé ses portes. On oblige les gens, on incite, avec notamment un affichage sur le guichet, à faire 25-30 kilomètres pour aller au guichet le plus proche pour faire des opérations en période de confinement. Je trouve ça une aberration totale. J'ai pas d'internet chez moi, j'ai rien, donc je suis obligé de tout poster. Et il y a des enveloppes qui rentrent pas là-dedans. Moi, je voudrais acheter des timbres, ben j'en ai point. C'est un petit problème, mais bon, s'ils peuvent pas faire autrement. Sur 80 bureaux de poste en Saône-et-Loire, seuls 26 fonctionnent actuellement. Il a fallu gérer la pénurie de personnel et réorganiser l'accueil du public pour garantir la sécurité sanitaire. Nous continuons à travailler pour en réouvrir à nouveau 22. Ce qui devrait nous permettre d'être sur 48 bureaux ouverts dans les prochains jours. Notre objectif d'ici la fin du mois d'avril, c'est d'être sur environ 60 bureaux ouverts sur la Saône-et-Loire. Sur la même période au niveau national, 5000 bureaux devraient rouvrir sur un total de 7700.